www.forêtnationale.be. Ce soir, Johnny sera pour la deuxième fois à Forêt Nationale pour sa dernière tournée. Une centaine de motards lui ont offert une haie d'honneur à son arrivée. Jean-Claude Gerlache avec Didier Carprio et Marie Iannucci. Une haie d'honneur tout en jeans et en cuir. C'est ainsi que les bikers ont voulu saluer une dernière fois leur motard préféré. On espère une chose, c'est qu'il va prendre une seconde de sa vie pour qu'on puisse lui remettre un gilet. C'est un gilet souvenir que j'ai peint pour lui, pour cette occasion. Et on verra si ça marche, ben je serai le plus heureux des bikers. Nous, ça nous marquera. Peut-être pas lui, il ne la mettra peut-être jamais. Mais je sais qu'on le lui aura offert. Cet après-midi, ils étaient une centaine à s'être rassemblés au cinquantenaire, vêtus de leurs plus beaux atours. Pour le chanteur Gros Cube, ses fans qui carburent au Johnny ont fait le déplacement des quatre coins de la Wallonie. Oui, c'est une longue histoire, mais Johnny est motard, hein, faut pas l'oublier. Hein. C'est un biker comme nous aussi, et puis c'est un des meilleurs chanteurs de la planète, je veux dire, presque. Hein. Johnny, si tu me regardes, mon gars, je te dis un truc, n'arrête pas, ok? T'as plein de fans, on est tous là, on est venus rien que pour toi. Donc t'arrêtes pas et tout bien l'année prochaine, dans 2 ans, on sera encore là. Et effectivement, le rocker biker ne s'est pas arrêté. Je lui tends le gilet, il a sa main d'or, je dis je vais lui donner, il y a le mec de la sécu qui me tire mon bras.